En une semaine, un jeu chinois vient d'exploser tous les records, c'est Genshin Impact. La recette qui fait le succès de ce jeu gratuit, elle est très simple. Vous prenez un open world coloré, vous y proposez de l'exploration, un peu de jeu de rôle, des combats et des waifus! Oui, bon, comprenez, des jeunes demoiselles étonnamment dévêtues qu'on recrute pour former notre équipe, mais l'ingrédient le plus visible, c'est surtout l'ambition du jeu qui a demandé plus de 100 millions de dollars au total, soit quasiment autant qu'un bon gros blockbuster qui sortirait sur PC ou console. C'est le plus gros lancement de jeu de l'histoire chinoise, d'après la presse locale, mais c'est assez compliqué d'évaluer le véritable impact parce que, contrairement à des jeux mobiles classiques, qui se lance que sur mobile, Genshin Impact, c'est une aventure qui s'apprécie sur plusieurs supports en fonction de où vous êtes et de ce que vous avez sur la main. Genre moi, en ce moment au travail, j'y joue sur PC pour faire avancer l'histoire, et quand je suis en réunion, enfin en pause, eh ben, je peux y jouer sur mon téléphone ou sur ma tablette pour faire des tirages et des quêtes un peu moins importantes, et c'est littéralement la même partie que je continue, hein. Bon, par contre, vous pouvez pas faire ça sur PS4. Désolé. Ça serait intéressant de voir si les chiffres se maintiennent et si les mises à jour arrivent rapidement, surtout qu'un autre énorme jeu qui va tout casser arrive bientôt, c'est le très 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 attendu.